Versailles, complot à la cour du roi Soleil, incarne la rencontre exceptionnelle de deux univers, la culture et le jeu vidéo. En s'associant dans cette coproduction, la réunion des musées nationaux, Canal+ Multimédia et Cryo crée un nouveau genre, le CD-ROM ludoculturel. 2 ans de recherche dirigés par la conservation du château de Versailles, 18 mois de développement, près de 50 personnes. Ce jeu d'aventure et de culture invite le joueur à une immersion à la cour du roi Louis XIV, dans un jeu où l'imagination rejoint la réalité. En fait, l'idée de départ est partie d'un livre qui est édité par les éditions textuelles. Et ce livre est traité de manière journalistique, avec des anecdotes très brèves, une histoire racontée simplement, avec beaucoup d'illustrations de tableaux d'époque. Louis XIV règne sans partage sur la France et Versailles est à l'image de son règne absolu. Mais au matin du 21 juin 1685, une menace pèse sur Versailles. Le joueur est missionné par Bontemps, qui est le premier valet du roi et plus proche confident du roi à cette époque-là. Et le joueur doit empêcher la destruction du château qui est proféré par un fou à travers un pamphlet découvert le matin au château. Et toute sa mission, en fait, va être ponctuée par le protocole royal. Donc, en fait, il va résoudre un certain nombre d'énigmes au fur et à mesure de la journée. Et au fur et à mesure de la résolution de ces énigmes, il va accéder au protocole royal et va pouvoir assister aux scènes que vivait le roi quotidiennement à cette époque. Le joueur incarne Lalande, un garçon de chambre. Pour déjouer le complot, il lui faudra comprendre la vie de la cour, ses règles, les alliances et les intrigues qui s'y nouent. Cette réalité historique, le joueur va pouvoir la découvrir au travers de la 3D et en fait avoir en plus une immersion dans le lieu et dans la cour du roi Soleil. Grâce à l'Omni 3D, le joueur s'immerge dans les plus beaux lieux publics et privés du château de Versailles, à la cour de Louis XIV. L'Omni 3D, c'est un système qui a été développé par Cryo depuis maintenant un an et qui permet de circuler dans les lieux, en tout cas de les voir à 360 degrés à l'horizontale et à la verticale, et de circuler naturellement dans les lieux. Donc on se retrouve en fait dans une qualité d'image haute résolution avec une sensation de temps réel. Concilier les contraintes d'un jeu et les impératifs d'une évocation historique sérieuse a nécessité un certain nombre de compromis. Ce qui est vrai, ce sont d'abord, c'est le cadre du jeu, le cadre général, les lieux. En 1685, le château n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Il a fallu donc faire des corrections pour le restituer dans son état de 1685. Ensuite, les personnages. Tous les personnages donc sont historiquement vrais et on s'est attaché à leur donner un aspect d'après les portraits tels qu'ils pouvaient être selon leur âge, selon l'âge qu'ils avaient à ce moment-là. Mais en 1685, il n'y a plus de complot. Hein, ça fait une dizaine d'années à peu près que le pouvoir du roi est absolument pas du tout discuté. Ceci dit, pour le jeu, il fallait accepter tout de même qu'il y ait un méchant. Alors le méchant, c'est quelqu'un qui est un peu fou et qui imagine un complot. Mais je n'ai pas voulu qu'il y ait un complot vraiment historique, politique, parce que ça ne correspondait pas à la réalité. Comme je n'ai pas voulu non plus qu'il y ait des duels, parce qu'en 1685, le Versailles, c'est plus le Versailles, c'est pas le Versailles des Trois Mousquetaires. Le CD-ROM pouvait apporter à Versailles, permettre d'imaginer un Versailles avec justement ce que l'on veut faire passer, c'est-à-dire que c'était un lieu de mémoire, un lieu de vie. Alors sur les lieux existants, on a pu récolter une bonne série de documents puisqu'on avait aussi des plans récents. Par contre, sur les lieux qui ont disparu, comme l'escalier des ambassadeurs ou alors des pièces qui ont été détruites qui sont moins d'importance, comme la sacristie ou autre, il a fallu travailler sur des tableaux, etc. Donc on est parti là de documents d'époque à 100%. Les infographistes ont réalisé un travail minutieux de reconstitution. Il a fallu dans un premier temps reconstituer dans l'espace l'architecture de l'escalier, puis habiller les volumes avec des textures directement inspirées des documents d'époque. Pour les personnages autant que pour le mobilier, c'était plus difficile puisqu'il reste très peu de documents de réels maintenant, quoi. Donc on a travaillé uniquement pour les personnages à partir de gravures d'époque et de portraits des personnages principaux. Donc ici, vous avez le roi qui a été reconstitué à partir de cette gravure pour ce qui est de la forme du costume et de son âge aussi, puisqu'il a cet âge-là sur la gravure. Alors,
On voit en animation, là, dans une des scènes du protocole, c'est la fin du grand lever. Il y a un espace documentaire qui donne aux joueurs toutes les possibilités, en fait, d'avoir les informations sur l'histoire du Roi Soleil, sur la cour au XVIIe siècle. Alors, cette base documentaire est accessible par deux biais, à la fois à l'intérieur du jeu, où on a les informations sur les lieux dans lesquels on est ou sur les personnages qu'on rencontre, mais on a aussi un accès en début de jeu à travers différentes thématiques. Si le contenu relève bien du domaine culturel, les propositions faites aux joueurs sollicitent son intuition et son goût de l'aventure. Parce que si on avait été complètement historique, on n'était plus jeu. Parce que si on est complètement historique, tout est écrit, il n'y a plus d'aléas. Et dans le jeu, on est obligé d'avoir de l'imprévu.